puis ma nomination comme président du tribunal de première instance de médecine. Puisqu'aujourd'hui, ça fait près de 6 mois. Mais durant toute cette période, j'ai beaucoup appris avec vous. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Dieu merci, ça n'a, il n'y a pas eu de prix ici. Les choses se passaient comme Dieu le voulait. Donc pour ça, je remercie. Et je remercie encore tous les collaborateurs. Vous savez, c'est difficile de vivre ensemble avec les hommes. Des fois, on peut commettre des péchés. Donc c'est devenu le moment pour moi de demander pardon à tous ceux qui ont souffert de moi, de mes agissements. Je remercie également les autorités qui ont pris en moi de confiance cette tâche. Et je les remercie encore parce qu'elles viennent de renouveler cette confiance en me nommant encore comme président du tribunal. Aujourd'hui, nous allons partir, mais c'est une belle équipe qui vient. Donc, je vous demande la franche collaboration pour cette nouvelle équipe qui vient. Madame Marboya, je vous la confie. Je vous la confie, vous la protégez comme vous m'avez protégé. C'est l'équipe qui gagne, monsieur personne aujourd'hui. Donc, je vous la confie. Comme vous m'avez protégé, protégez la personne. Donc, c'est un quelques mots. Cette fois-ci encore, je dois le remercier. Je remercie tout le monde. Je remercie le président de m'avoir donné la parole. Je remercie aussi mon fils, le collaborateur, qui est mon procureur. Puisque je sais que c'est un homme de talent, je n'aurai pas de difficulté. Je remercie tout le monde. Merci, madame la présidente. Je demanderai les bénédictions du Créateur pour que l'on voit être à la hauteur de l'espoir qu'a suscité ma nomination. Tous ceux qui doivent quitter le tribunal de première instance de médecine, je dis merci. Parce que de loin, je suivais le travail qu'ils ont abattu ici. Je peux dire la République. Merci pour le travail que vous avez abattu. Et merci pour les conseils que vous me donnerez. Parce que je viens hériter de votre gestion. À tous mes nouveaux collaborateurs, magistrats du siège, parquet, greffier, je tends une main franche et loyale pour une collaboration sincère. Souvent, on le dit, ce n'est jamais une seule personne qui gagne, c'est une équipe. Quel que soit ce que je ferai ici, si ce n'est pas dans le cadre d'une équipe, à titre personnel, je ne pourrais absolument rien faire. Donc, je vous tends cette main pour une collaboration sincère. Le parquet que j'ai l'honneur de diriger sera à l'écoute de tout le monde. Ça veut dire que ma porte, celle de mes substituts, seront ouvertes et constantes. Donc, le bon maçon se reconnaissant au pied du mur, verrait qui est Al-Qassim Diallo, comment il gérera son paquet et vous jugerez à l'œil. Sur ce mot, je peux mon président, je vous remercie. En tant que certain, chers collègues magistrats, président de section entrant et sortant. Nous sommes heureux d'être avec vous en ce moment pathétique. Les jeunes viennent de s'installer, les autres disent au revoir à un personnel auquel ils se sont habitués il y a quelques années. C'est ainsi, c'est pourquoi
je parle des partis de mon champ. C'est pour ces groupes-là, les personnes que vous avez l'habitude de voter, vous allez pour un temps séparer de ces personnes. C'est difficile comme la vie péché. Pendant qu'on est ensemble, c'est la tolérance qui fait vivre les relations. Quand on se sépare, c'est le pardon qui doit nous caractériser. La tolérance ne signifie pas, l'absence de punition. Ou de punition. Quand vous tolérez une personne, vous l'avez puni. Parce que là, la personne a reconnu ça. Je sais de quoi je parle, pourquoi je me dis. C'est une leçon pour le personnel entrant, les autorités entrant. Tolérer, mais punir. Comment tolérer quand vous voyez un membre du personnel en faute, appeler la personne, faites-lui la remontrance. C'est aussi une sanction. Lorsqu'une personne est face à sa faute, c'est une sanction. Parce que là, il y a une responsabilité qui est engagée et qui va être sanctionnée par le tribunal de la conscience. Ah, le chef a su que j'ai mal fait. J'ai même honte du chef aujourd'hui. Est-ce que je peux passer devant lui? C'est une sanction que vous subissez devant le tribunal de votre conscience. Le chef, il est à l'aise parce qu'il a remis un membre du personnel à l'ordre. Lui, prochainement, il va servir d'exemple pour les autres. Et la fois dernière, le chef a prié sur moi pour ça. Pourquoi j'ai dit la tolérance sociale? C'est moi, je préfère. Disons, refaire l'être humain, c'est de détruire l'être humain. Donc, en tant que responsable, c'est un conseil que je vous donne. Donnez-vous la main, ne tolérez pas les fautes, ne pardonnez pas les fautes. Vous allez les pardonner le jour où vous allez tout faire ici. Comme on est en train de vivre maintenant, chacun demande à l'autre de pardonner pour ce qu'il a fait de désagrément. Mais la sincérité doit caractériser. Et l'ouverture, surtout. Comme l'a dit le procureur de la République, ma porte est la porte de mes citoyens, ça doit être littéralement ouvert. Si vous vous cachez de votre personnel, vous augmentez le nombre de vos ennemis. Parce que même s'ils voient un mal, vous arrivez, ils ont peur de vous le dire. Quand ça vous arrive, il va dire, ah, comme je l'avais dit, il va dire que c'est moi qui vais voir. Donc je pense qu'il faut s'ouvrir et il faut collaborer. Soyons sincères les uns envers les autres. C'est ce qui fait gagner l'équipe. On dit que c'est une équipe qui gagne, mais pour que l'équipe gagne, il faut que les hommes se donnent la vie. Et qu'ils s'acceptent. Aucun de nous n'a fabriqué son prochain. C'est Dieu qui nous a fabriqués. Les uns avec leurs défauts, les autres avec leurs qualités. Et pour vivre en harmonie, il faut que les uns acceptent les défauts des autres. Et vice-versa. Alors moi, ce sont les conseils que je peux vous donner, et monsieur le président général, voilà ce que je souhaite vous donner, personnellement, comme vous l'avez demandé, je vous remercie. Et très décisif de notre histoire. J'en suis sûr et certain que les mois à venir, nous prions tous Dieu que la stabilité qui a caractérisé l'avènement du CNRD puisse être pérennisé aussi longtemps que demeurera notre pays. Mais comme le président de la République l'a dit au lendemain de la prise du pouvoir, que désormais la justice sera et demeure la boussole pour tout citoyen. Je me dis par ces mots que c'est une responsabilité sociétale que l'exécutif a confiée aux judiciaires. Quand on dit que la justice sera la boussole doit être tenue par celui qui a une très bonne direction. Puisque la boussole peut vous indiquer le nord et le sud, mais vous qui êtes derrière la manette, vous pouvez orienter ailleurs. Pour moi, le problème, ce n'est pas la boussole.
Qu'est-ce qui doit être la boussole de la boussole? C'est la loi. Le magistrat que je suis, d'ailleurs que nous sommes, nous n'avions pas besoin qu'on nous rappelle nos obligations professionnelles. Non, pas du tout. Chacun connaît les détails à peu près. Et j'insiste là-dessus. Le président de la République, comme il l'a dit lors de notre rencontre, sa seule vocation aujourd'hui, c'est de faire la justice une institution indépendante. Mais l'indépendance, ça signifie quelque part la responsabilité personnelle du magistrat. Madame la Présidente, vous êtes à Dixi, vous étiez là. Aujourd'hui, vous revenez. Mais laissez-moi vous dire que l'une des raisons qui a fait que il y a eu ce mouvement, c'était pour lutter contre la sédentarisation des magistrats. Normalement, en principe, un magistrat qui fait 2 ans, 3 ans dans un même milieu, quelque part, quelle que soit sa volonté, il va se familiariser. Et cela peut avoir un impact négatif sur la qualité du service. Nous sommes des humains, on appelle à être sensibles vis-à-vis des problèmes de certaines personnes qui demeurent avec nous au quotidien. Mais le contexte a changé. Il faut l'avouer. Les deux critères qui ont toujours prévalu sont deux. La probité et la personnalité. Pour moi, je ne dis pas compétence parce que je me dis, si quelqu'un devient magistrat, c'est qu'il a, passé par des étapes et que son statut de magistrat n'est que la consécration de toutes les compétences qu'il a eues. C'est la raison pour laquelle il a le statut de magistrat. Nul doute que tout le monde a la compétence. Mais ce qu'il faut reconnaître et admettre, désormais, il faut que nous travaillions sur le respect de l'éthique et de la déontologie. Ça veut dire quoi? La loyauté entre les magistrats ne veut pas dire conspiration. Je le dis, je le répète. Il faudrait que la loyauté du magistrat soit vis-à-vis des principes et des règles, vis-à-vis de la loi. Monsieur le procureur de la République représente le ministère public auprès de cette juridiction. Mais le rôle de la distribution des dossiers revient à Madame la Présidente du tribunal, elle et elle seule. Il ne revient pas au ministère public de dire de tel magistrat que je dois saisir. Ça, ce sont des éléments qui relèvent des mauvaises pratiques qu'il va falloir changer. La saisine des juges d'instruction doit obéir à la règle selon laquelle cette désignation elle est faite par Madame la Présidente du tribunal. Et que cela doit obéir au respect d'un tableau de rotation qui doit être établi à cet effet. Comme Monsieur le Premier Président me disait ailleurs, que c'est la seule institution républicaine, entre guillemets, en Guinée et partout ailleurs, où la contradiction ne doit pas être un motif de discorde. Le siège peut dire, je vois l'infraction sous cet angle. Le ministère public me dit non, moi je demande, il n'y a même pas d'infraction. Mais ça, c'est dans le cadre de la procédure. Et c'est ça la beauté de notre institution. Mais cela ne doit pas être transmis d'humeur dans la gestion des procédures. Dépersonnalisons les institutions. Il faut qu'on dépersonnalise la justice. Qu'on mette la justice dans le centre des principes qui l'entourent. Pas dans les règles que nous voulons créer et l'adopter et l'appliquer. Non. Les règles et les principes existent, nous les connaissons. Le management des juridictions, vous avez vu le cadre du BRECA, je le dis en rappel, le management des juridictions voudrait que le chef de juridiction, au-delà des pouvoirs présidentiels que la loi vous confère, devrait à ce qui est l'hygiène, à ce qui est l'entente de votre rôle de coordination. N'écartez personne. Qu'on ne parle de mal de personne. Jugez chacun selon ce qu'il fait là.
Les préjugés sont des facteurs d'échec des chefs. Méfiez-vous de tel. Méfiez-vous de tel. Soyez celle qui rassemble. Soyez celle qui écoute. Et soyez celle qui sanctionne. Et quand c'est nécessaire. En tout cas, au niveau du premier président, je le sais. En ce qui nous concerne de l'autre côté, j'ai dit aux gens, et je le répète ici, que si nous avons à perdre, c'est que cette perte-là ne viendra pas de la volonté de chacun. Vous avez vos frères, vous êtes là, plus âgés. Nous, on est chaud, on veut aller vite. L'énergie que nous avons, vous n'en avez pas. L'expérience que vous avez, en termes d'exercice, on peut dire que nous n'avons pas. Mais comme je le disais la fois dernière, M. Kebambay, qui est une référence, aujourd'hui en matière judiciaire, un monsieur qui, du point de vue éthique et déontologique, est vénéré entre guillemets par ses pairs, n'avait pris la tête de la Cour suprême du Sénégal qu'entre l'âge de 38-39 ans. L'âge n'est plus un critère ou un handicap, non. L'handicap, c'est la culture de régression vers des principes classiques. La meilleure expérience qu'on peut offrir au service public de la justice, c'est l'expérience de l'excellence, de la combativité pour le respect des principes de l'État. À monsieur le procureur de la République, vous avez une maman. Quand deux chefs de juridiction s'entendent, je crois que le reste va suivre. L'exemple, c'est Pogomou et Charles Ladoubreka. Tous les célébrateurs ont quitté, ils sont à Boya. Ils quitteront peut-être pour quitter la Guinée. Mais quand le procureur décide de l'autre côté, ce n'est pas moi qui dirais le contraire, mais dans la loyauté. Pas prendre l'argent pour dire je veux parler au siège, non. La juridiction, ce n'est pas un marché, il faut connaître le problème. Il ne faut pas qu'un seul magistrat soit un maillon faible pour tout le monde. Quand je prends l'argent, j'affaiblis les autres. C'est ça la réalité. Et je ne peux pas prendre l'argent pour dire collaboration. Il n'y a pas collaboration dans l'absence de l'éthique. Appelons les uns et les autres au respect. Sur ce, au nom de Monsieur le ministre de la Justice, au nom de Madame la secrétaire générale du ministère de la Justice, au nom de Monsieur l'inspecteur des services judiciaires, nous allons procéder à la passation de service entre Monsieur Mafalin Kone, dont nous allons demander de se lever. On va donner la chance à Monsieur le Premier Président, qui va s'occuper de ce rang protocolaire. Le reste, nous le ferons au bureau, pour ne pas prendre le temps avec tout le monde.